Papy Drac, maman et papa en ont... Non, mon petit Denisovitch. Rassure-toi, ils reviendront de leur voyage d'affaires au... Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, mes petites créatures de la nuit, je vous aime. Alors, mes petits démons, quelle histoire voulez-vous écouter aujourd'hui? Il était une fois une joyeuse jeune fille qui s'appelait Mavis les petits vampirons rouges. Un jour, sa vieille mère grand lui demanda quelque chose de très spécial. Bien sûr que je peux te faire un gâteau, mère grand. Mais de quel genre? Demanda le petit vampiron rouge. Un gâteau à la citrouille pourrie, avec de la vache qui crie et décoré d'ortie. Tout ce que tu voudras, mère grand. Dès qu'il est prêt, je te l'apporte. C'est ainsi que le petit vampiron rouge se mit à la tâche pour sa mère grand. Hé, tu racontes des histoires? Je veux être dedans. Oh, Franck, attends. Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, bravo. Les parties de ton corps vont être éparpillées dans toute l'histoire. Cool! Petit vampiron rouge, voudrais-tu m'aider à trouver le reste de mon corps? Le petit vampiron rouge partit à la recherche du premier ingrédient. Je trouverai la citrouille la plus pourrie du champ de citrouille, bien moisie et grouillant de verre. Se dit le petit vampiron rouge. Mais avant de transporter tous ces ingrédients, un petit échauffement. Il est temps de se bouger. Cool! Oh non! On dirait que ces gros rochers nous barrent la route! Il faut qu'on passe par-dessus! Tiens! Le prochain objectif est très éloigné. Il est peut-être temps de sprinter! C'est rapide, n'est-ce pas? Mais attention, il est... Et si on essayait de sauter au beau milieu d'un sprint? L'élan nous fera aller bien plus loin. Cool! Cette zone m'a l'air dangereuse. Heureusement, tu peux te transformer en chauve-souris et planer jusqu'à un endroit plus sûr. Parfait! Tu apprends très vite! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. La ruée aérienne te permet d'atteindre des endroits plus éloignés ou élevés. Vois ça comme une petite impulsion finale. Essaie d'atteindre l'objectif en te servant de tes pouvoirs fraîchement appris. Thank you.
Tu vois ces machins? Essaie donc de les frapper. Merveilleux! Ces objets ont eu ce qu'ils méritaient. Comme tu peux le constater, certains d'entre eux t'octroient des récompenses. Il paraît qu'on peut également effectuer une ruée au sol pour éviter les pièges et les ennemis. Essayons pour voir. La ruée au sol permet de se projeter dans la direction visée. Sois prudent lorsque tu l'utilises sur des petites plateformes ou au bord d'un gouffre. Tu peux te servir de l'attaque chargée pour activer la plaque de pression. Thank you.
en arrivant au champ de citrouilles, le petit vampiron rouge découvrit quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qui a piétiné les citrouilles? Ah, c'est mauvais signe. Je dois me tenir sur mes gardes. Attention, petit vampiron rouge! Bien que le champ de citrouilles fut maintenant rempli de dangers, le petit vampiron rouge continua. À tout ravager! Oui, Winnie, à tout ravager afin de récupérer la citrouille pourrie pour le gâteau de Mère Grand. Ah, bravo! Après avoir cherché partout, le petit vampiron rouge trouva la grosse citrouille pourrie. C'est bizarre. Pourquoi elle est si loin? Le petit vampiron rouge était tombé dans un piège. Par chance, elle était prête à se battre contre la citrouille ardente. Après un voyage exténuant, elle avait enfin la grosse citrouille pourrie pour le gâteau de Mère Grand. Mais quelque chose tracassait le petit vampiron rouge. Qui voudrait cacher ça ici? C'est très singulier. Yeah.
Que sont ces cartes? Et d'où viennent-elles? Papy Drac, toutes les histoires ont leur propre collection de cartes à l'effigie de leur personnage. Tout le monde le sait. Oh, je vois. Évidemment que tout le monde le sait. Bien, puisqu'elles sont là, essayons d'en trouver autant que possible. Garde l'œil ouvert, Denisovitch. Elles pourraient se cacher n'importe où. Le petit vampire en rouge n'avait pas de temps à perdre. Elle commença donc à chercher des œufs de crapaud frais pour la garniture de vache qui crie. De créatures aux dents et aux griffes acérées lui bondirent dessus. Hein? Quoi? As-tu me dit une minute? L'intrépide petit vampiron rouge résista et les renvoya dans les jupons de leur mère. Comme je le disais, le petit vampire en rouge
poursuivit joyeusement sa route à la recherche d'œufs de crapaud. À présent, le petit vampiron rouge pouvait faire une délicieuse garniture de vache qui crie. Il ne lui manquait plus que quelques orties pour décorer le délicieux gâteau de sa mère grand. Il y a aussi des cartes des ennemis. Mais le chemin pour mettre la main dessus était semé d'embûches. Allez, petit vampiron rouge, tu peux le faire!
enfin. En tirant de toutes ses forces, le petit vampire en rouge arracha un gros bouquet d'orties pleines de piquants. Elles vont donner une allure incroyable au gâteau. Se dit le petit vampire en rouge avant de rebrousser chemin vers la maison. Mais avant de partir, elle découvrit de mystérieuses empreintes le long du chemin. À qui sont ces empreintes ? Se demanda le petit vampire en rouge. À la crapule qui a caché tous les ingrédients. Mais ce que le petit vampire en rouge ignorait, c'est que les mystérieuses empreintes étaient celles du redoutable grand méchant loup. Le gâteau est dans le four. Dès qu'il sera prêt, je l'apporterai à Mère Grand. Je devrais parler au chasseur de l'étranger qui rôde dans le coin. Pendant que le gâteau cuisait lentement dans le four, le petit vampire en rouge décida de traverser les dangereux bois hantés. Elle devait signaler à l'ami de sa famille, le chasseur, les étranges traces de pas qu'elle avait vues. Ça n'est jamais arrivé, ça.
Aïe! Guet-à-pou, le petit vampire en rouge devait faire demi-tour. Elle utilise ses pouvoirs magiques. Quoi? Sa magie? Le petit vampire en rouge n'a pas de... Ouais, comme ça. Oh, quelle puissance! Je suis sûr que ses points sont encore plus dévastateurs. Impossible. Reprends pour voir. Après sa victoire, le petit vampire en rouge entra dans les bois sombres utilisant sa nouvelle et puissante magie. Petit vampiron rouge pensait être en sécurité. Boum ! Embuscade ! Ah,
Alors qu'elle atteignait le recoin le plus sombre et profond de la forêt, le petit vampire en rouge sentit qu'un nouveau danger l'guettait. Serait-ce le redoutable grand méchant loup? Pas du tout. C'était juste le chasseur maladroit pris à son propre piège. Chasseur, c'est toi? Demanda le petit vampire en rouge, se retenant de rire. Oh, petit vampire en rouge, tu vas pas croire ce qui s'est passé. Gémit le chasseur. Alors, je me suis battu contre un dragon noueux et j'ai carrément gagné. Mais un sale voyou m'a attaqué par derrière. Sors-moi de là, s'il te plaît. Chut, tu vas attirer l'attention. Tout bien réfléchi, je pense que je vais rester ici un moment. À cause de l'imprudence du chasseur, ils étaient maintenant dans de beaux draps. Mais le petit vampire en rouge avait ses puissantes attaques magiques. Oh. Bien que le petit vampire en rouge eût bravement vaincu les créatures sombres, elle avait un autre problème. Comment libérer le chasseur? Pour me libérer, il faut briser les trois crochets. Suis les cordes et tu les trouveras. Le premier crochet se cassa comme une brindille, grâce à la magie du petit vampire en rouge. Trop cool! Dans un crac tonitruant, le deuxième crochet céda. Prends ça, crochet! Génial! Je l'avais pas celle-là! On a récupéré toutes les cartes de ce chapitre! Quelle équipe du tonnerre! Une fois le troisième crochet brisé, le chasseur s'écrasa douloureusement au sol.
Je... Quoi? Le petit vampire en rouge voulait parler des étranges empreintes aperçues dans les bois. Mais le chasseur l'interrompit. Merci pour le coup de main, mais tout est sous contrôle maintenant. Vraiment? Bien sûr, je connais ces bois comme ma poche. Et j'ai terrassé plein de méchants. J'ai même affronté le gigantesque et sanguinaire grand méchant loup. Si tu le dis. Quoi encore? Mon sac à dos? Ces stupides citrouilles ont encore dû le voler. Tu peux m'aider à le récupérer? Je veux dire, je le ferai bien moi-même, mais... chacun son tour.